Pour conserver son charme à ma nouvelle occupation, je partageais désormais méthodiquement ma journée. Deux parties le matin, deux parties l'après-midi et le soir une brève révision des quatre. Ainsi mon temps était rempli, au lieu de se traîner avec l'inconsistance de la gélatine et j'étais occupé sans excès, car le jeu d'échecs possède cette remarquable propriété de ne pas fatiguer l'esprit et d'augmenter bien plutôt sa souplesse et sa vivacité. Cela vient de ce qu'en y jouant, on concentre toutes ses énergies intellectuelles sur un champ très étroit, même quand les problèmes sont ardus. J'avais d'abord suivi mécaniquement les indications du livre en reproduisant les parties célèbres. Mais peu à peu, cela devint pour moi un jeu de l'intelligence, auquel je me plaisais beaucoup. J'appris les finesses, les ruses subtiles de l'attaque et de la défense. Je saisis la technique de l'anticipation, de la combinaison et de la riposte. Bientôt, je fus capable de reconnaître la manière caractéristique de chacun des joueurs célèbres, aussi sûrement qu'on reconnaît un poète à quelques vers d'une de ses œuvres. Ce qui n'avait été d'abord qu'une manière de tuer le temps, devint un véritable amusement. Et les figures des grands joueurs d'échecs, Aljechin, Lasker, Bogolyubov, Tartakower, vinrent tels de chers camarades peupler ma solitude. La variété anima désormais ma cellule muette. Et la régularité de ces exercices rendit leur assurance à mes facultés intellectuelles. Cette discipline d'esprit très exacte leur donna même une acuité nouvelle dont les interrogatoires bénéficièrent les premiers. Sans le savoir, j'avais sur l'échiquier amélioré ma défense contre les menaces feintes et les détours perfides. Dès lors, je n'eus plus aucune défaillance devant mes juges, et il me sembla que les hommes de la Gestapo commençaient à me regarder avec un certain respect. Peut-être se demandaient-ils par-devers eux où je puisais la force de résister si fermement quand ils voyaient tous les autres s'effondrer. Ce temps heureux où je refis systématiquement les 150 parties du manuel dura environ trois mois. Là, parvenu au point mort, je me retrouvai brusquement à nouveau devant le néant. Car une partie jouée vingt ou trente fois n'avait plus l'attrait de la nouveauté. Sa vertu était épuisée pour moi. Quel sens cela avait-il de répéter sans cesse les parties quand je savais chaque coup par cœur? L'ouverture déclenchait automatiquement les suivants, il n'y avait plus de surprise, plus d'émotion, plus de problèmes. Pour m'occuper, pour me rendre cet effort et ce divertissement dont je ne pouvais plus me passer, il lui fallut un second volume, avec d'autres modèles. Comme c'était tout à fait exclu, il ne restait qu'une issue dans cette direction aberrante. Je devais inventer d'autres parties que j'essayerais de jouer avec moi-même ou plutôt contre moi-même. Eh bien, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez réfléchi à l'état d'esprit où vous plonge ce roi des jeux, mais il suffit d'une seconde pour faire comprendre que, le hasard n'y ayant aucune part, c'est une absurdité de vouloir jouer contre soi-même. L'attrait du jeu d'échecs réside tout entier en ceci que deux cerveaux s'y affrontent, chacun avec sa tactique. L'intérêt de cette bataille intellectuelle vient de ce que les Noirs ne savent pas comment vont manœuvrer les Blancs, et qu'ils cherchent sans cesse à deviner leurs intentions pour les contrecarrer, tandis que de leur côté, les Blancs essaient de percer à jour les secrètes intentions des Noirs et de les déjouer. Si donc les deux camps sont représentés par la même personne, la situation devient contradictoire. Comment un seul et même cerveau pourrait-il à la fois savoir et ne pas savoir quel but il se propose et, en jouant avec les blancs, oublier sur commande son intention et ses plans faits la minute précédente avec les noirs. Un pareil dédoublement de la pensée suppose un dédoublement complet de la conscience, une capacité d'isoler à volonté certaines fonctions du cerveau, comme s'il s'agissait d'un appareil mécanique. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même est donc aussi paradoxal que vouloir marcher sur son ombre. Eh bien, pour me résumer, pendant des semaines, c'est à cette absurdité, à cette chose impossible, que le désespoir me fit tendre, pendant des mois. Mais je n'avais pas le choix. Pour échapper à la folie et à la totale décrépitude de mon esprit, mon atroce situation m'obligeait à tenter ce dédoublement de mon esprit entre un moi blanc et un moi noir, si je ne voulais pas être écrasé par le néant horrible qui me cernait de toutes parts.